My heart is sad. Hello. Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une story time. Du coup, et juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Notre story time, ça parle du collège quand j'étais en 6ème. Du coup, ce qui s'est passé, en gros, quand on avait fini les cours. Et donc mamie, si tu passes par là, je suis vraiment désolée. Et juste à côté, donc c'est quoi, 30 minutes de marche est arrivée du coup à son boulot. Donc j'ai rangé son étagère, je devais faire un truc, ranger son étagère du coup. Et après il m'a demandé, il m'a donné de l'argent du coup. Donc j'étais avec deux copains. Encore une fois, parce que si on rate le bide 19h, tout en Martinique, on a plus de bus. Si tu rates le bide 19h. Si tu veux, tu peux donner de l'argent aux filles. Tu les donnes 4 euros chacun. 4 euros, 2 euros. Donc, j'ai regardé mon père comme une manière. Parce que je me suis dit, mon père qui connaît pas les filles, pourquoi il me dit ça et tout. Donc, à la base, l'argent c'était pour moi. Je crois que ce qui s'est passé, ils m'ont menacé chacun pour 2 euros. Ils avaient un combat après de mon coup. Ils étaient 3 contre moi. Donc, j'ai donné chacun 2 euros. Parce que sinon, je savais pas ce qu'ils allaient faire, donc j'ai donné franchement 2 euros chacun. Le bus il s'arrête près de la boutique. Donc je sors du bus, je cours. Ma grand-mère. Je vais voir ma grand-mère, du coup. Je lui dis, mamie, il faut que je te raconte un truc. Mamie, elle me dit, t'étais où? Tu m'inquiétais pour toi? T'étais où? Tu m'as même pas appelé pour me dire que t'es père, t'allais chercher. Aller voir ton père, tu m'appelles ici. Mamie, si je passe par là, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je raconte l'histoire de ma mamie, ma tante, qui est. J'ai fait le collège aussi avec elle. On était en 3ème, moi j'étais en 6ème. Donc, je lui raconte. Je lui dis, il y a deux filles, je pense que tu connais, ils habitent à côté de. On va dire, ils habitent à côté de chez nous. Genre, 10 minutes, 20 minutes, on est déjà à côté de chez eux. Donc je raconte ça à ma mamie, j'ai fait, les deux filles m'ont menacé pour de l'argent, si j'ai donné pas 2 euros chacun, ils allaient me taper et tout. J'ai raconté ça à ma mamie, elle n'avait pas de temps en fait, c'est tout de suite, elle dit, on va chez le cousin, la fille qui t'a fait ça, qui t'a menacé pour 2 euros, parce que pour ma mamie, ça ne se faisait pas de menacer pour 2 euros, genre c'est pas parce que mon père te l'a dit, tu connais même pas mon père, mon propre père, tu le connaissais pas. Parce qu'il t'a dit quelque chose, je dois le faire, non, je suis désolée, mais bon en fait, non, je suis désolée, mais non. En question du coup, elle a dit pourquoi tu as fait ça à ma petite fille, pourquoi tu l'as menacée avec 2 euros, elle dit non, quelque chose qui est faux. Le cousin, en gros, le tonton de la fille du coup, je crois que c'était qui, c'était son tonton. Donc il a dit pourquoi t'as fait ça, je te comprends pas, et tout ça, limite. Il a tiré ses cheveux. Quoi ? On va dire, c'était pas ses cheveux, c'était une perruque. Ma mamie, elle a commencé à parler. Elle a dit, je trouve ce que tu fais. Je pensais que c'était ta pote. Donc, à ta pote, tu fais ça, tu la menaces pour 2 euros. Parce qu'elle t'a pas donné 2 euros, tu la menaces avec un compas que ça ne se faisait pas. Ma mamie, elle a commencé à dire, en gros, si tu retouches à ma petite fille, t'aurais fait à moi, en gros. Donc, elle disait que ça ne se faisait pas. Limite qu'elle connaissait pas mon père, elle a dit ouais mais ton père elle a quand même dit de donner 2 euros à chacun fille. Ma mamie elle a dit mais tu connais pas son père, donc même si son père dit ça, elle n'était pas obligée de te donner en fait. Si depuis le début à son tonton, quand elle a dit non j'ai pas menacé Yasmine pour un compas, non j'ai pas. Je vous jure, c'est la pire des menteuses. Vraiment, faites vraiment attention à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. En tout cas, de gros bisous et prenez soin de vous, mes amis.